jasmin lila. Bah ils ont quoi les mioches là? On cherche un chouchon. Un chouchon? Tu cherches un chouchon? Je connais pas un chouchon, ouais. Je sais pas qui c'est. Viens, on s'en va. Non mais ça va, c'était pour rire. Revenez les filles, c'est bon, revenez, revenez. Bon, vous cherchez Alain Chouchon? Bah peut-être ben que je connais quelqu'un qui sait où le trouver. Mais par contre, les poulettes, c'est donnant-donnant. Alors qu'est-ce que vous avez à donner en échange? Ça, je prends ça. Bon. Vous cherchez Alain Chouchon? Pour trouver Alain Chouchon, vous allez tout au bout de la rue là-bas et vous suivez le son de la cloche. De la cloche? On n'entend pas de cloche. Fais-moi confiance, il y aura une cloche, vous allez jusqu'au bout et vous allez vous le trouver, votre chouchon. Bah au revoir, hein. Jasmin, Lila. Enfin, je viens de claquer 300 balles, alors ils ont pas intérêt de me la mettre. Oh, t'es un bon, toi. Ben, j'ai besoin de thunes en ce moment. Hop, 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 voilà, pour les chefs. Oh, en parlant de se la mettre, toi et ta femme. Oh, arrête tes conneries, je crois qu'elle fait la gueule, elle m'a fait payer les biens. Ouais. Bah, je vais t'aider. Ouais. C'est super mal fait. C'est quoi ce bolo, là? Je te propose de pas faire d'histoire, ma belle. Donne-moi juste tes pommes de terre. Tu sais, je suis obligé de faire ça. J'ai une famille à nourrir. Et peut-être que je t'en laisserai deux, trois. Je veux pas en venir là. Mais je vais devoir tirer! Vous savez très bien que je peux pas vous les donner! Ok, dans ma tente là, il y a une boîte pleine d'amandes. Vous la prenez, vous partez! J'en ai rien à foutre de tes amandes de merde, je vais en bouffer! Donne-moi ton putain de sac! Dans un fric, il y a fric. Et le fric, ou plutôt l'excès de fric, hein, ou la façon odieuse avec laquelle notre sujet a amassé sa fortune, a réveillé quelque chose en lui. Hein ? Réveillé quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. Quelque chose qui s'est adressé à lui-même, en utilisant sa propre voix. Enfin bref, toujours est-il que, étant donné le merdier dans lequel il nous a foutus, je pense que le problème de fond est intrinsèquement lié à son travail.